La France a besoin de ta gloire. Nos vies ont besoin de ta gloire. Nos futurs ont besoin de ta gloire. Notre santé a besoin de ta gloire. Notre héritage a besoin de ta gloire. Notre témoignage a besoin de ta gloire. Notre destinée a besoin de ta gloire. Ah, fais de nous les transporteurs de ta gloire. Allez, allez, allez. Notre système de pensée a besoin de ta gloire. Notre potentiel a besoin de ta gloire. Nos âmes soupirent après ta gloire. Nos âmes soupirent après ta gloire. Tout ce qui est en moi soupire après ta gloire. L'expérience de Christ, la visibilité de Christ, la tangibilité de Christ, la manifestation de Christ, la réalité de Christ, le vécu de Christ, la démonstration de Christ. Allez, allez. Nos vies doivent dire allez à toi. À Jésus, Amen. Au Père trois fois saint, au Dieu trois fois saint, au Père saint. À Jésus, au Saint-Esprit, au Dieu trois fois saint. Que nos dons parlent tout disent, allez. Que dans nos vies tout disent, allez. Oui, dans ton palais tout s'écrit gloire. Que dans ce palais que je suis tout dise gloire. Bénisse gloire, mon foyer, mon mariage, mon héritage, mon témoignage. Ne doit pas dire tristesse, il va dire allez, allez, allez. L'église doit dire allez, allez, allez. Un patient de chrétien dira un nouveau allèle à la gloire de ton nom. Aye mata sante le mama, le mate le mama, aye le mama le, aye le mama le, le soka le mama le le rosa. Ale, ale. Ale, ale, ale. Li mato so para kata le mama le soka le mama sita. Gato la massatea, le bro o le sote la matele soto la ma, le bele kamara le mamon sate le mamale le ma, le kesete le mamale le ma sole. Oh God,
Alléluia, Alléluia. Ah, 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 ah. Ton peuple s'écrit Alléluia. Ton peuple dit gloire Alléluia. Ta maison, l'église dit gloire Alléluia. Tu as mis dans ton palais tous ces cris gloire dans ce lieu. Dans ce lieu, ces cris gloire, gloire, gloire Alléluia. Que ces vases de terre disent gloire. Vive ta gloire. Exprime ta gloire, révèle ta gloire, atteste ta gloire, démontre ta gloire, révèle ta gloire, testify au glory, Alléluia. Que tout ce qui nous concerne dise gloire, qu'elle soit visible, qu'elle soit exprimée, qu'elle soit proclamée et constatée. Tout pour ta gloire, Alléluia. Rien pour nous, uniquement pour ta gloire. Exprime-toi, apparaît, manifeste-toi, uniquement pour ta gloire, uniquement pour ton haleine. Ta gloire, libère pour ta gloire, sauve pour ta gloire, ouvre un accès pour ta gloire. Là où on ne dirait pas de chemin, crée un chemin. Là où on a dit de la sécheresse, amène des coupes d'eau, amène des fleuves d'eau vive. Uniquement pour aller, aller, aller. Entraille pour ta gloire, nous te prions. Libère les prisonniers pour ta gloire. Fais le bien pour ta gloire. Manifeste ta puissance pour ta gloire. Déploie et tends ta main. Que ton doigt écrive une histoire mal commencée pour ta gloire. Allez! Fais tout pour ta gloire. Allez! Chemin, crée un chemin pour ta gloire seule. C'est pour ton nom, c'est pour ton honneur. Oh, allez! Et à la maman, les croissants, allez, les mamans, allez, les mots. Une visitation pour ta gloire. Une manifestation divine pour ta gloire. Allez, 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 allez.
Saint-Esprit, pour ta gloire. Un déversement du Saint-Esprit pour ta gloire. Un feu sans précédent, uniquement. Ressentiment à travers les cadres, les tuyaux, l'internet. Un feu sans précédent. Aïe, témoignage extraordinaire pour ta gloire. Allez, 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 allez. Satale Mara Sedere Leira Mare Dolo Masete La Mama Lale Mama Quasatele Mare Masete Leira Mara Sale Mama Sedele Mara Suko Leira Mare Le Mare Sale Kale mama ra se tele mama ra bosele. Ça sera uniquement pour ta gloire. Nous ne volerons pas ta gloire, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons la gloire. Nous ne dirons pas voici ce que je fais. Non, allez, allez. Nous engageons par ta grâce à te rendre la gloire. Allez. Devant la vue de ce que le Seigneur aura manifesté. Allez. Après tant de larmes, après tant de cris, tant de supplications, tant de gémissements. Devant le trône de grâce, après tant de supplications corporatives. Allez. Veillerons bien à dire que c'est toi qui l'as fait. Nous veillerons bien à te rendre le crédit. Allez. Nous veillerons à te rendre la gloire. Allez. Nous veillerons à te rendre la louange. Allez. Ah.
adoration. Nous ne dirons pas ces mots. Nous sommes déjà prêts à témoigner. Nous sommes prêts à bondir, à démarrer avec un nouveau chant, avec une nouvelle histoire. À publier la sonner la trompette. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Aïe de sorte de personnes qui disent Hallel, gloire à Jésus. Les premiers types de personnes, ce sont les personnes qui ont vu Dieu se manifester. Ce sont les personnes qui ont vu Jésus opérer des miracles, des prodiges et des signes. Et elle a vu des merveilles, elle a vu des bienfaits, elle a vu de la manifestation de ses bontés. La Bible dit que le peuple glorifiait le Dieu d'Israël. Il disait gloire, gloire, gloire au Dieu d'Israël. À la naissance de Jésus, les anges ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il a créés. Car un sauveur est né, un enfant est né, un fils a été donné. Et à la manifestation, l'incarnation du Fils, ils ont dit Hallel. Le premier type de personnes qui dit Hallel, ce sont les personnes qui ont vu la manifestation de Dieu, la manifestation de sa gloire. Et comme ils ont vu la manifestation de sa gloire, alors ils disent Alléluia. C'est une manière de lui rendre la gloire et de ne pas la garder pour eux. Le deuxième type de personnes qui dit Hallel, ce sont des gens qui n'ont pas vu la manifestation, mais ils sont certains de la manifestation. Car ils croient que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il ne jamais il ne trahira sa fidélité. Jamais il ne violera son alliance. Ça, ce sont les hommes de foi. Il a dit à propos de mon juste, vivra par la foi. Il suivra les traces de son père Abraham, qui par la foi a rendu gloire. Ils n'ont pas vu la manifestation, mais pour eux, ça ne fait aucun doute. Quand ils pensent à leur vie, ils ne pensent pas à naufrage. Ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Ils ne se disent pas, oh tristesse sur ma vie, oh misère sur ma vie, oh pauvre de moi, oh misère de moi, oh misérable. Non, lorsqu'ils pensent à leur vie, ils disent Hallel. Ils ne prient plus, ils disent Hallel, parce qu'ils le savent que ce n'est qu'une question de temps, mais assurément celui qui a fait. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Jamais il ne trahira sa fidélité, non. Voilà pourquoi je peux dire à propos.
propos de ma vie, à propos de l'église, à propos de ma situation, je me dirai déjà. Et lorsque ce sera manifesté, je continuerai de dire. Et en vérité, dans les Écritures, le premier qui le hallel était généralement émis par les païens. Parce que les païens ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Les païens ne connaissaient pas le Seigneur Tout-Puissant. Les païens ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas de quoi il était capable. Voilà pourquoi ils attendaient de voir pour dire Alléluia, Dieu nous a visités. Le ciel est au milieu de nous. Et dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël qui a vécu au temps de Jésus ne connaissaient pas le Dieu d'Israël parce qu'ils ne le voyaient plus agir, parce qu'ils étaient sous oppression des Romains. Ils ne voyaient plus Dieu. Ils avaient entendu parler du Dieu qui avait sorti Israël d'Égypte, mais ce Dieu là ils n'avaient plus aucune connaissance de lui. Alors Jésus est venu, c'est bien beau, mais tant qu'il n'a pas agi, on ne peut pas dire allez. Mais dès qu'ils voyaient Jésus faire des miracles, il dit alors ne serait-ce pas lui le fils de David, n'est-ce pas lui le Messie qu'on attendait. Il disait après, alléluia, il disait après, parce qu'il ne savait pas de quoi ils étaient capables. Mais il n'en était pas ainsi du peuple que Josué a conduit à Canaan, la terre promise. Parce que ce peuple-là qui avait vaincu, crucifié sa chair et qui avait, la génération précédente a passé 40 années dans le désert. Mais la génération Josué, la génération des conquérants, cette génération, elle connaissait son Dieu. Cette génération n'a pas dit alléluia après que les murs de Jéricho soient tombés. Non, elle a poussé des cris de victoire avant que les murs ne tombent. Elle a dit alléluia avant la chute des murs, avant la chute des barricades, avant la chute des murailles. Alléluia, alléluia, alléluia. La génération Josué, elle connaissait son Dieu, elle criait victoire, elle a dit gloire avant de voir les murailles tomber. Pour ton histoire, un, deux, trois, dis à moi, allez. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu n'ont pas besoin d'attendre la manifestation. Ils marchent par la foi, ils marchent par l'esprit et non par la chair. De la foi d'Abraham. Dans la sérénité, il dit allez, il dit à Dieu. Allez, 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 Oh,
soma la sekete le mama nebo. Ale. Yere mara sobre yere mama nebo. Ale. Yere mara soma la sekete le mama nebo. Ale. Yere mama nebo sekete le mama nebo. Ale. De râler est émis par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne s'attendent pas à lui. Ils attendent de voir avant de rendre gloire. Et il me dit le problème avec cette manière de faire, c'est qu'ils sont obligés d'attendre un sauveur, un Jésus, un Christ dans un corps. Ceux qui ne savent pas rendre gloire, célébrer ma gloire, sont obligés d'attendre Christ formé dans un corps pour les visiter. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, il est en train de me dire, eux, ils n'ont pas besoin d'attendre un Christ. Ils ne sont plus dépendants de quelqu'un. C'est ça le mot.
parce qu'ils peuvent provoquer cette effervescence divine eux-mêmes. Les premiers, ceux qui attendent de voir, ont besoin que le ministère des anges soit activé à travers la foi d'un sauveur, de Christ dans un corps. La Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il est en train de me dire la raison pour laquelle Israël a célébré, a proclamé sa gloire en tournant autour de Jéricho. La raison pour laquelle ils ont glorifié Dieu avant que les murailles ne s'écroulent, c'est parce qu'ils avaient compris, comme Paul et Silas avaient compris, qu'en disant et en rendant gloire et en proclamant gloire à Dieu, on crée une atmosphère, parce que Dieu siège dans une atmosphère qu'on appelle les Tehillah, qu'on appelle la louange, qu'on appelle la louange, qu'on appelle la célébration, qu'on appelle la proclamation. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Ils avaient compris qu'en chantant les louanges, en proclamant, on créait une atmosphère dans laquelle Dieu prenait plaisir. Et Dieu disait, laisse-moi vite aller dans cet endroit de la terre, dans cette maison, dans cette prison. Il y a un climat, il y a une atmosphère qui est convenable pour moi. Ils avaient compris que c'était le secret pour activer la manifestation de la présence de Dieu et le déclenchement du ministère angélique. Et il me dit, ceux qui connaissent leur Dieu n'ont plus besoin d'attendre que quelqu'un ait les aides. Ils ont juste besoin de déclencher l'atmosphère. Et je viens tout seul. Je n'ai pas besoin. Je peux venir. Mais c'est réservé à ceux qui connaissent, ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi pour proclamer en avance. Allez, 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 allez. Je n'attendrai pas un bishop, je n'attendrai pas un bishop, je n'attendrai pas un apôtre, je n'attendrai pas un grand évangéliste, je n'attendrai pas un grand homme de Dieu, je dirai allez. Oh, chante là-bas. Oh, je dirai allez. Comme Paul et Silas, je chanterai. Je prierai et je chanterai les louanges de Dieu. Les babababa, les premiers attendent. Les deuxièmes déclenchent, les premiers attendent, les deuxièmes ils déclenchent la manifestation de sa présence. Oh Shatata, les Brekasa, laisse-moi prier. Les Bababa, les Mossa, oh laisse-moi publier, mais je crois, voilà pourquoi j'ai parlé, je crois. Voilà pourquoi j'ai proclamé, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai célébré. Les mamama, les grassoma, les prépanés, les babossa, les vieux mamas, les bossa, les gâteaux, les manés, les bossa. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Les gâteaux, les bossa. Allez, allez, allez. Allez. Ah, moi aussi j'ai cru. Le deuxième type d'année, ceux qui proclament avant, ce sont ceux qui ont cru. Et ils disent dans 2 Corinthiens 4, c'est parce que nous avons cru que nous parlons. C'est parce que nous avons cru que nous proclamons. C'est parce que nous avons cru que nous déclarons. Gloire, gloire, gloire à toi. Allez. Et ma chaîne et les mots. Manifeste-toi dans les enfers des hommes. Fais irruption dans la vie. Fais irruption dans les
église. Fais éruption dans ces familles. Fais éruption dans ce pays. Fais éruption dans les affaires des hommes, dans le gouvernement, ici, dans nos vies, dans tous ceux qui sont connectés. Fais éruption. Et la chair. Je ne sais pas pour mon voisin, mais dans ma vie, je dis. Allez dans mon foyer. Allez dans ma vie. Allez dans ma santé. Mon témoignage, mon héritage, ma destinée, mon futur et mon présent. Allez. Dans mon ministère, dans mon couloir, allez. Allez. Et j'ai la de allez, allez, allez. Allez. Oh, je ne me dirai pas, excuse-moi, voisin. Je dois proclamer. C'est pourquoi je déclare, selon qu'il est écrit, mon fils te vivra par la foi. Je n'attendrai pas, je célébrerai. À Jésus le Christ, allez. À Dieu notre Père, allez. Sopra ante le
Il me dit, tu es en train de créer l'atmosphère du tout à coup, tu es en train de créer une atmosphère d'un tout à coup, c'est-à-dire de quelque chose d'imminent, de quelque chose de soudain, de quelque chose d'inattendu. Tu l'attendais, mais tu ne savais pas que ça allait se faire maintenant, tout à coup, brusquement. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais je dis c'est tout à coup, soudainement, brusquement. Ah, Yahvé Mamarosa, les gossas. Là où les ennemis, là où nos ennemis, nos adversaires ne nous attendaient pas. Tout à coup. Là où les esprits de sorcellerie, d'échec n'attendaient pas ta réussite. Tout à coup. Hôtel maléfique, n'attendez pas ta stock grossesse, tout à coup. Allez. Les brocos, là où on pensait que tu allais rester tout le temps au chômage, tout à coup. Allez. Si tu continues de vivre à l'air, si tu continues de prier et de chanter les louanges de Dieu. Allez. Et la mama, là où tu ne voyais pas, tout à coup. Allez. Ta vue était affaiblie. Je déclare que tout à coup. Et grâce à là où tu n'entendais pas correctement, tout à coup au nom de Jésus. Et il y a une option de tout à coup dans cet endroit. Une option de tout à coup. Et là où n'entendais pas ta traversée, tout à coup. Par les finances, on disait ça ne viendra pas tout à coup au nom de Jésus. Que tout à coup maintenant, quelque chose que tu attendais en avant se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste. Libération, délivrance, percée, guérison, restauration, et ta saute à main, et ma main. Je commande un tremblement de terre maintenant dans les prisons qui retenaient ton peuple. Je commande un tremblement de terre, l'ébranlement des fondations de la sorcellerie, des fondations de l'ésotérisme qui verrouillaient les fondations des systèmes financiers, des systèmes bancaires, des systèmes de sorcellerie, d'enfoutement, d'enchantement. Je commande au nom de Jésus l'effondrement maintenant, tout à coup. Je commande l'effondrement de toutes les coalitions, les hôtels maléfiques qui bloquaient l'église, qui bloquaient nos vies, qui bloquaient ta vie dans un domaine ou un autre. Je commande tout à coup l'effondrement de ces fondations au nom de Jésus. Tout à coup, je commande que les portes des prisons sataniques, les portes des prisons démoniaques soient maintenant ouvertes, ouvertes. Les portes des maladies libérées, libérées les malades, libérées les prisonniers. Les portes de la stérilité, je commande que les portes soient ouvertes au nom de
de Jésus. Maladie incurable. Au nom de Jésus. Laissez partir vos prisonniers. Maintenant. Esprit d'infirmité, laissez partir. Sorcellerie, laissez partir. Un feu. 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 Et libérez dans cet endroit. Libérez sur la France. Libérez sur Paris. Au nom de Jésus. Depuis la présidence de la République, le gouvernement, Yegasha, Ligosora, Ilavarossa, pour notre bâtiment. Un feu. Les prisons, les systèmes financiers qui s'étaient renfermés. Yegasha. Je commande. Les bras à la main de ces fondations. Allez, allez. Au nom de Jésus de Nazareth, les prisons du chômage, les prisons des maladies, les prisons de la cécité, les prisons de la surdité, les prisons de la mutisme, esprit de paralysie, esprit de surdité, esprit surévué. Esprit de cécité, esprit de surdité, guéris au nom de Jésus. Esprit de serpent, de python, de boa, bloqueur de mariage, sorcellerie, mangeur d'enfants, je commande. Soudainement, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour l'expansion. Les portes sont ouvertes pour le déploiement. Les portes sont ouvertes pour le plein emploi. Les portes sont ouvertes pour la réussite des entreprises. Les portes sont ouvertes pour l'influence dans ton couloir. Pour les contrats sans précédent. Les opportunités sans précédent. Les faveurs sont précédentes. Les portes sont ouvertes. Allez, allez. Sur ta vie. Tu es en train de mettre la main sur ta vie. Tu es en train d'imposer une main sur ta vie. C'est pas sur ta tête, c'est sur ta vie. Tu es en train de poser une main sur ta vie. Et quand je vais compter jusqu'à trois, à trois, un dépôt va être déposé sur ta vie. Les fondations qui verrouillaient ta vie. La parole libérée tout à l'heure sera juste scellée. Les fondations qui retenaient, enfermaient, cadenassaient, seront ébranlées totalement. Les portes fermées s'ouvrent définitivement. Parce que le feu qui est libéré, qui va être scellé. Personne n'a envie d'avoir affaire à ce feu. Ce feu
tout seul crée une haine d'honneur. En fait, je vois comme tu es escorté au milieu des flammes. Au milieu des flammes. Quand tu sors de cette prison, tu penses que physiquement tu es seul. Non. En fait, il y a une muraille qui t'escorte. Voilà pourquoi tu deviens intouchable. Voilà pourquoi tu marches totalement. Et personne ne peut. Ils seront fâchés. Mais ils ne peuvent rien faire.
Je dis deux. Les gosses sont brahigadea. À toi, toutes les portes s'ouvrent. Lorsque je dis toi, toutes les portes s'ouvrent. Je dis toi, les chômages de l'émosa, les yéles de la maman de l'émosa. Allez, les consoles de la maman de l'émosa, il est passé de l'émosa. Un feu sans précédent. Manifeste. C'est la maman. Laissez pas la manette. Il est maman, elle est Yeah.
De la prison fut ébranlée. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il n'a pas dit une porte. Ce n'est pas une porte que tu viens d'ouvrir. Ce n'est pas une porte. Toutes les portes. Les camarades des brosseaux, chalet la madame des brosseaux, les cassards. La porte de la croissance, la porte des finances, la porte de la guérison, la porte de la santé, la porte du foyer, la porte de la fécondité, la porte du mariage, la porte du travail, la porte de la réussite, toute la porte! Chakata les marques de la soupe. Toutes les portes à souffrir. La santé les patos malakata la babos les catalés les babos santé les babas les chanel les gros santé pas les gosses toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes sont ouvertes, la porte du mariage, la porte de la réussite dans le ministère, la porte du travail, la porte de la santé divine, la porte de la libération totale. Des hôtels magnifiques, la porte de l'intelligence, la porte de la créativité, la porte de la fécondité, la porte de la guérison, la porte de la percée, de l'élévation financière, de la richesse pour Dieu. Des opportunités qui vivent. Et c'est illimité. Restauration totale. La porte du redressement. La porte du relèvement. La porte de la propulsion. La porte des finances. Finances illimitées. Prospérité nouvelle. Et Marie Rimos. Il va sauver les bosses. Il y a la mamare. La porte de la sagesse. De la conversion de nos familles. La conversion de tous les enfants. La porte de la conversion à Jésus. La porte du salut.
toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tu vas proclamer les liens de tous les prisonniers. Pendant quelques instants, chacun de nous va parler. Il va juste dire quel prisonnier, quel lien. Mes enfants, tu vas dire, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas convertis. Les liens. Je déclare que les liens sont bons. Ne prie pas. Ne demande pas. Proclame seulement. À qui tu envoies cette parole? Toi, c'est fini, c'est libéré. Mais qui? Il dit les liens de tous les prisonniers. Quel prisonnier? Quel mari? Quelle femme? Quel homme? Quelle femme que tu vois convertie? Quel enfant? Quel parent? Proclame, proclame, on y va. Et chaque année. Les liens qui retenaient et empêchaient la conversion de qui? Proclame que ces liens sont rompus. Les liens de la drogue, de la mondanité, de la pornographie. Proclame! Sur toute ta famille. Foyer dans ton travail, les personnes qui te sont chères, tout ce qu'il me dit de dire, c'est libère-les. Prononce la parole, libère-les. Ceux qui sont prisonniers des sciences ésotériques, libère-les! Envoie la parole, libère-les! Ne prie pas, déclare seulement! Aïe, la massacre de la brigade, il va m'arriver des bras sauvés, ma mère. Thank you.
Saint-Esprit, de nous avoir fait prier sur ta parole, selon ta volonté, ta direction. Merci de ce que de toutes les paroles sorties de nos bouches ce soir, aucune ne reviendra à nous sans effet. Sans avoir accompli, exécuté le mandat pour lequel elle a été envoyée. Merci pour la main du Seigneur qui a été imposée sur nos vies. Une seule main posée et toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes se sont ouvertes. Merci pour les fondations des prisons sataniques, démoniaques, des prisons, des forteresses établies dans la capitale, dans le pays et où que ce soit sur la terre. Ces prisons qui voulaient bloquer nos destinées et notre témoignage, leurs fondations sont totalement ébranlées. Les portes sont ouvertes. Nous sommes escortés par une muraille de feu, impénétrable, infranchissable. Merci. Merci pour tous les prisonniers dont les liens ont été brisés ce soir. Les membres de nos familles arrachés. Leur libération a été commandée ce soir. Nous te prions pour le nouveau président Emmanuel Macron. Nous te prions pour le gouvernement. Nous te prions pour la prochaine Assemblée nationale. Que ta main soit sur eux. Que toute décision qui n'est pas agréée de Dieu et qui, toute loi, décision, choix que l'ennemi voulait imposer sur la nation en pressant les autorités, nous libérons les autorités de toute emprise et influence maléfique au nom de Jésus. Nous appelons sur le chef de l'État, sur le premier ministre et tout son gouvernement, la main invisible du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit d'intelligence. Nous appelons la grâce de Dieu, la grâce de prendre des bonnes décisions pour la nation, la sagesse divine pour gouverner la nation et pour amener le pays dans la prospérité au nom de Jésus. Tous ces pays d'Afrique qui souffrent à cause des mauvais choix des dirigeants, nous libérons les dirigeants de ces pays d'Afrique, de tous nos pays. Tu peux mentionner le pays, tu peux mentionner le pays. Nous libérons ces dirigeants. Mentionne le pays, mentionne. De toute folie, que l'esprit de sagesse les saisisse, que l'esprit de conseil les saisisse. Qu'il décrète les décrets divins. Amen. Que les esprits de folie s'éloignent d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Sur quel pays? Amen. Sur quel pays dis-tu amen? Amen. Sur la France, je dis. Amen. Pour la libération du Congo, Brazzaville, RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, Cotonou, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Complète les pays que je ne mentionne pas.
Amen. Sur la Belgique, sur la Suisse, Amen. Le Canada, au nom de Jésus-Christ. Les Maracas et Brobos, sur toute l'Afrique francophone, Amen. Sur le Togo, Amen. Sur le Nigeria, Amen. Sur le Sénégal. Sur l'Algérie, sur le Maroc, sur l'Égypte, sur la Tunisie, dans le nom de Jésus-Christ, que la main du Seigneur soit étendue et cachée des robots, que les gouvernements, les chefs d'État soient libérés de ce qui les amène à prendre des mauvaises décisions au nom de Jésus. Burkina Faso, le Mali, le Niger. Amen. Amen. Dans la gloire. Toutes ces choses, tu les fais pour ta gloire. Et nous avons promis, par ta grâce, de te rendre la gloire. Nous sommes prêts à aller annoncer, à chanter un cantique nouveau. On ne dirait pas celui-là, on connaissait. Parce que ça sera une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Ça n'aura rien à voir avec les 21 jours d'il y a 6 mois. C'est une nouvelle histoire que tu écris. Tu mets un chant nouveau dans nos bouches. Un chant à la gloire de Dieu. Thank you. Devant la main. Devant les mains. Merci. Nous te rendons la gloire. Nous ne garderons pas la gloire. Ne garderont pas. Merci. I thank you. Thank you.
Reçois la gloire, chant nouveau, un témoignage nouveau, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. L'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Nous déclarons et décrétons que certainement le bonheur et la grâce et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. C'est dans le nom le plus excellent, dans le nom le plus beau, dans le nom de notre espérance de gloire, dans le nom de Jésus, le Christ, que Père, nous t'avons ainsi prié, célébré avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Yeah,
Seigneur. Ce soir, avec une nouvelle dimension de la présence manifeste de Dieu. Cette présence qui est ici ne te quittera pas. Elle te couchera ce soir. Et au bout de quelques heures, tu seras surpris d'être réveillé par cette présence. Et quand elle te réveillera, tu n'as même pas besoin de mettre le réveil, elle va te réveiller. Entre dans sa présence demain matin. Demeure dans sa présence. Et tu manifesteras sa présence toute la journée. Et nous manifesterons sa présence désormais. Au nom de Jésus. Amen. Bénisse et nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation. Quand l'auditorium est plein pour un jeûne et prière, ça veut dire que quelque chose est en train de se préparer. Excellente soirée. Excellente soirée. Le Seigneur vous raccompagne. Sois convaincu que les portes sont ouvertes, les prisonniers sont libérés. Plus jamais tu ne te vois enfermé. Plus jamais tu ne te vois enfermé. Tu te vois comme Dieu a déjà dit. Et c'est fait, les portes sont ouvertes. À demain, nom de Jésus. Amen.